Les banques vont encore réduire leurs services au public. Ça commence à bien faire. Regardez, il y avait ici un distributeur de billets. Depuis hier, il a disparu. Et c'est ce qui risque de se passer près de chez vous. Dans de nombreux endroits, ces distributeurs vont être réduits, limités, et c'est inacceptable. Vous vous souvenez qu'en 2008, au moment de la crise financière, les banques ont été sauvées par de l'argent public, par votre argent. Depuis lors, les agences ont été réduites et maintenant, ce sont les distributeurs de billets qui vont être supprimés dans de nombreux endroits, en particulier dans les zones rurales. Pour moi, c'est inacceptable. Les quatre grandes banques ont décidé de se regrouper dans un consortium appelé Batopin. L'objectif, c'est de mutualiser leur réseau de distributeurs de billets. Très bien, sauf qu'à la clé, plus de 2000 emplacements vont disparaître. Les bourgmestres n'ont pas été contactés ni concertés sur cette opération. Je veux les mobiliser et avec eux me battre pour défendre le service aux citoyens sur tout le territoire et en particulier dans les zones rurales. Les banques ont une mission d'intérêt général, une mission de service au public, il faut le rappeler.